Bonjour, bonsoir, ça va? Vous allez bien? Je m'en fous, je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. Voilà. En fait, c'est un petit live parce que je viens de rentrer tranquille, tout fatigué, et j'ai vu des choses sur Facebook qui m'ont un peu écœuré. C'est que c'est un comportement macabre, ténébreux, piteux, laborieux, désastreux, dangereux, tout ce que je peux parce que c'est bizarre, c'est à une autre instant, je ne comprends pas parce qu'il faut qu'on m'explique. À l'instant présent, je me pose une question qui est tout à fait logique et normale. Where is your respect in the moment? Je m'explique. Vous, les pages Facebook ainsi que les personnes sur Facebook, Twitter, Instagram et tout ce qui est réseaux sociaux, social connectés, bref, on le connaît comme assurance. J'ai une question qui me taraude un peu la tête en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas, hein, comment est-ce que tu trouves logique de prendre la photo d'un corps sans vie et de poster la photo sur les réseaux sociaux et demander aux gens de mettre des rips. Mais en fait, ça veut dire quoi? Mettez des rips. Ça veut dire quoi? Reste une piste. Ok, oui, ça veut dire quoi? Tu prends la photo de quelqu'un qui est mort, qui est décédé, un corps sans vie, et tu mets la photo sur Facebook, commenter, mettez des rips. Un rip égale une prière. Un partage égale une prière. Priez pour le repos de cette personne. En fait, à l'instant présent, moi personnellement, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça me choque, ça m'estomaque. Je me dis que vous n'avez pas de conscience, quoi. Vous posez l'acte sans remords. C'est comme si vous vous en foutez en gros. Ce que la mort d'autrui vous rapporte du buzz, des likes, de l'audimat pour vos pages Facebook ou pour vos profils Facebook. En fait, c'est ça votre truc en fait. Vous vous en foutez de la famille, des amis, bref, copains, copines, bref, vous c'est que vos likes. En fait, vous êtes des véreux assoiffés de likes. En fait, vous êtes des chouins et des proxénètes de likes en fait. C'est ça votre délire quoi, c'est ça. On est en 2017 et il y a encore des gens qui prennent des corps sans vie, qui les mettent sur Facebook et demandent aux gens de liker. Et comme toujours, il y a des bouffons d'une bouffonstocologie qui passent leur temps à mettre des rips sur n'importe quoi. En fait, je ne comprends pas le délire. Sérieusement, là, je viens de rentrer et tout. Depuis hier, il y a une dame qui a perdu la vie. Elle est partie dans une fête en train de danser, fait tranquille. La meuf s'est écroulée. Et le truc qui m'a sidéré, en fait, c'est que lorsque je regarde la vidéo de cette dame qui est en train de danser et après qui s'écroule, il n'y a personne qui lui vient en aide. Automatiquement, chacun sort son téléphone pour filmer. Le premier à poster le truc sur Facebook fait le buzz. À l'instant présent, je me dis que le manque de savoir-vivre, le civisme, l'amour de son prochain, aider son prochain lorsqu'il est dans le besoin urgent, il se trouve où? Aux chiottes? Dans vos smartphones? En fait, ça me fait bizarre, en fait. Ça me fait vraiment bizarre. Je me dis que l'être humain est méchant. C'est comme si moi, je peux me trouver à une fête et tout. Et je fais un malaise, comme c'est bravatant, tout le monde va sortir son téléphone et filmer pour faire le buzz. Ce que ma vie vous importe peu. C'est le cas de la dame d'hier. Moi, je vois la vidéo et tout. En fait, je cherche la personne dans cette vidéo qui a porté secours à cette dame. Je ne vois pas la personne. Je vois pas la personne. Vous êtes indifférent, en fait. Ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal parce que je me dis que ça va arriver à tout le monde. Là où je suis, là, peut-être que je suis en train de faire live. Il y a tout le monde, je suis mort. Il touche du bois. Seigneur, faut ça, c'est après. C'est pas le. Voilà, merci. Donc, tu peux. Je sais pas comment exprimer ce dégoût qui m'anime en ce moment. J'étais dehors et toute la journée, mon esprit n'était pas tranquille là-dessus. Ce que je me dis, je vois les gens passer dans la rue. Je me dis, le mec, il peut tomber et tout. Et le premier réflexe de l'être humain, c'est de sortir son téléphone et filmer le mec qui est en train de perdre sa vie. J'ai repassé, rebissé, remixé la vidéo pour trouver ne serait-ce qu'une personne qui va porter secours à cette dame. Bien au contraire, c'est quoi? Le truc, c'est que il y a des gens qui ont sorti leur téléphone pour filmer la dame. Quelqu'un fait un malaise, une femme bien portante qui danse et qui s'écroule. Pour vous, c'est normal. C'est normal, quoi. On ne peut pas la porter dehors afin qu'elle puisse respirer l'air, appliquer un massage cardiaque sur son thorax. Soit elle fait un AVC, soit elle est empoisonnée, soit elle fait un malaise. Mais il faut lui porter assistance dans un premier temps. Mais vous êtes mauvais. Oh. Et moi, franchement, ça me fait mal. Hein. J'ai jamais déconné sur des sujets comme ça, mais franchement, ça me fait mal. Quoi. Les blancs, là, voilà pourquoi les blancs sont devant nous. Lorsque son camarade blanc est en danger, la première des choses, c'est pas de sortir son téléphone. Hein. On apprend ça à l'école. On apprend ça à l'école. Ton prochain en danger, porte-lui assistance. Ton ami en train de mourir, porte-lui assistance. Même la Bible le dit. Même si on dit que la technologie vous a rendu tellement stupide, la vie humaine
Quelqu'un se croule devant vous et il n'y a personne qui va se dire, putain, elle est en train de perdre sa vie, allons lui porter assistance. Il n'y a personne. Automatiquement, tout le monde sur son téléphone filmé, le premier qui poste sur Facebook fait le buzz. C'est ça. Et c'est pas Facebook qui prennent la vidéo de la dame, le corps sans vie en train de se grouler et tout, et qui mettent des légendes. Comme quoi, oui, c'est moi qui ai posté la vidéo. Donc, la mort d'autrui vous permet d'engranger des likes, des vues, de le dimanche sur vos pages. Mais vous êtes mauvais, hein? Même Satan, il n'est pas mauvais comme vous. Franchement. Et vous, les gens aussi qui partagez tout et n'importe quoi. À un moment donné, il faut réfléchir, quoi. Après, vous allez dire, Bravado, il est impoli, il vous parle mal. Non, je vous dis la vérité. Tu ne vas jamais voir Bravado poster une vidéo d'une femme qui est nue sur sa page Facebook. Tu ne vas jamais voir Bravado en train de poster une vidéo d'une femme qui se fait tabasser sévèrement sur Facebook. Sur sa page Facebook, tu ne vas jamais voir ça. Tu ne vas jamais voir Bravado poster le corps sans vie d'une personne sur sa page. Tu ne vas jamais voir ça. Vous êtes sur des pages Facebook où on expose des corps sans vie, des femmes battues, des gens qui sont en danger.